il faut que nous changions de politique de migration. Et il faut que nous organisions, ce qui n'a pas été fait ni par la Commission ni par les États membres, une vraie politique d'accueil et d'intégration. Je termine simplement en disant, nous sommes 510 millions. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que nous sommes la zone du monde la plus productive, la plus riche, le plus haut niveau d'éducation, le plus haut niveau de culture, le plus grand niveau de vie. La question, c'est, dans la période à court terme, 2 à 3 millions de personnes, dont une bonne partie de très haut niveau de formation, à accueillir. Et à terme, un courant régulier, disons, de 1 million. Est-ce que vraiment entre 510 millions et 1 million, 2 millions, il y a réellement une proportion qui est insoutenable ?